Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier au centre. J'écris ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mentes. J'écris ton nom. J'écris ton nom. J'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille est vide, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, je détruis sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître. Moi je suis fier, quand même, allez, quand même. Hein, Colin? Ah non, vas-y, vas-y. Parce que c'est notre premier avec Annie, c'est notre premier drap, graphe et tout. Pour ça que. Ah oui, oui, oui. Quand même. Ils sont pas mal quand même. Ciblé parce que on voit que ta main.
C'est pas elle. Et tu as de la ficelle? Ouais. Bon, eh ben c'est bien. Voilà, ça y est, c'est prêt. Tu peux mettre ta ficelle. Très bien, sympa. Ouais, ouais, très joli. Je peux te comprendre. J'ai une copine, elle m'a dit pendant les vacances, son fils l'a fait. Liberté, j'écris ton nom, qui a été lancé par les Gilets jaunes du Grand Est. Donc, Liberté, j'écris ton nom, c'est un poème de Paul Éluard. Comme beaucoup, beaucoup, j'ai appris ce poème à l'école. Comme beaucoup, je l'ai allonné bêtement. Aujourd'hui, il prend une dimension nouvelle. Liberté, j'écris ton nom. Et le premier poème du recueil Poésie et Vérité, publié clandestinement en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. En résonance à l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, ce message d'espoir veut redonner confiance en dépit de l'occupation allemande et du climat de terreur. Il est adressé aux résistants de l'intérieur. Les vers d'Éluard prônent la liberté malgré la menace et la peur. La même année, des milliers d'exemplaires de ce poème furent parachutés par des avions britanniques de la Royal Air Force au-dessus du sol français. Liberté, j'écris ton nom, est composée comme une incantation. Sa construction répétitive suit une progression chronologique et retrace la vie d'un homme, depuis l'enfance jusqu'à son futur. Parce que la liberté est le combat de toute une vie. En utilisant un vocabulaire simple, Éluard veut être compris par tous et marquer les esprits. Dans ce texte, la volonté de résistance et l'éloge de la liberté se conjuguent. Et le fait de finir le poème par le mot « liberté », c'est ne pas céder à la mort, au malheur en temps de guerre, ne pas céder à la peur de la répression, aux tentations de la résignation dans ce que l'on vit dans notre mouvement social des Gilets jaunes. Tenter de les dépasser par l'espoir de la liberté à retrouver sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, mort, solitude, désespoir, sont dans le poème, mais sans aucun registre de découragement. C'est le point de vue de l'avenir, de la liberté qui permet de les voir comme une épreuve provisoire à surmonter. C'est un hymne à la liberté. Dans ce poème, liberté s'écrit partout, sur tous les supports, sur tous les objets. Elle est mise en valeur par la reprise, à la fin de chaque strophe, de la phrase « J'écris ton nom », phrase incomplète, et il faut attendre la dernière strophe pour avoir la clé « Liberté ». Résistance, liberté, c'est le haut-clé des Gilets jaunes. Ouais, on est là, on est là. Mais dire quelque chose, ils n'ont pas pensé à une personne, à des handicapés. Non, là, il n'y a que des... Il n'est pas tout. On a mis... On a mis quelques strophes de Besançon. Et on l'a remanié de manière à ce qu'il puisse répondre au mouvement des Gilets jaunes byzantins. Voilà. Donc il y a quelques strophes. Il y a quelques strophes. Ça, c'est celle d'Éluard et ça, c'est les tiennes. Les strophes qu'on a remaniées. Comme tu veux. Hein? C'est un peu dommage, mais bon. Non, bon. Vas-y, vas-y. Alors, le poème d'Éluard, est-ce que vous l'avez lu, le poème d'Éluard? Non. Personne ne me dit. Vous l'avez lu? Non, non. J'ai trop jeune que ça. Non, bon. Alors, sur mes cahiers d'écoliers, sur mon petit les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Et pour nous, sur notre haute citadelle, sur notre porte noire,
sur notre Victor Hugo, j'écris ton nom. J'écris ton nom. La garde d'eau policière sur le palais de justice et tous les lieux répressifs, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur les banderoles colorées, sur des bouts de carton, en jaune, ou rouge, ou noir, j'écris ton nom. Sur tous les chandeliers, allez, sur tous les points levés, sur notre futur approprié, j'écris ton nom. Liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté. Ce qu'on vous propose, allô, il y a quelqu'un? Alors ce qu'on vous propose, c'est d'aller sur les lieux symbolisant la répression à Besançon, c'est-à-dire le tribunal de justice, le lieu où Mathias a été blessé. La mairie, la préfecture, pour que nous déposions une pancarte « J'ai écrit ton nom, liberté » de manière à manifester notre résistance des gilets jaunes disontaires. Vous êtes d'accord ? Oui ! Ouais ! Allez. Allez. À la porte de ce gouvernement, ils vendent les aéroports aux grands capitalistes. À la porte de ce gouvernement, font monter le chômage et la précarité. À la porte de ce gouvernement, font monter le chômage et la précarité. Excusez-moi. À la porte de ce gouvernement. Je sais pas. Utilise le 49.3 pour faire passer leur loi. Ils instillent la peur à travers le virus. À la porte, c'est gouvernement. Il y a une intensité là qui augmente, c'est bien. À la porte, c'est le gouvernement. Ils laissent les vieux, ils crament les étudiants. À la porte, c'est le gouvernement. Ils gavent les patrons et pressurent les sans-dents. À la porte, c'est le gouvernement. Ils cassent les gilets jaunes et portent les pompiers. À la porte, c'est le gouvernement. Ils vendent des enfants et un grand capitaliste.
précarité. Par la porte, ce gouvernement, il veut délaisser les femmes en captivité. J'en ai pas donné à tout le monde un peu. J'en ai là si tu veux. Attends, regarde si c'est celle-là. C'est tout. Nous sommes dans le palais de justice. C'est pareil. Bon, en fait, on est devant ce tribunal pour dénoncer la répression qui touche actuellement tous les opposants, mais notamment surtout les gilets jaunes, mais aussi les journalistes indépendants, mais aussi d'autres personnes. Voilà. Donc, on a utilisé le poème de Paul Éluard, « J'écris ton nom, liberté », pour montrer notre résistance. Donc je voudrais, avant que nous sentions notre Marseillaise qui a été remaniée au moment de la manifestation avec les soignants, je voudrais relire les strophes qui nous concernent, nous, de ce poème remanié. Sur notre haute citadelle, sur notre porte noire, sur notre Victor Hugo, j'écris ton nom. Le garde policière, sur le palais de justice et tous les lieux répressifs, j'écris ton nom. Sur les banderoles colorées, sur des bouts de carton, en jaune, en rouge ou noir, j'écris ton nom. Sur tous les champs de lutte, sur tous les points levés, sur notre futur approprié, j'écris ton nom. Liberté. Résistance. Liberté, résistance. Vous avez la Marseillaise, tous ? On y va ? Attends, Annie, attends, j'ai pas une photo. Mais tu la prends pas, j'ai une photo de groupe. Ouais. Une photo de groupe. Voilà, mais je vais te dire qu'il n'y a pas de respect. Ah, ça va ?
Attention. Attention, il s'est sorti. Passez, passez. Ah, Manon, c'est pour une fois qu'il travaille son nid. C'est genre. Il travaille pas, il travaille. Ah, il y a des gens dedans. C'est bizarre. Les samedis, il y a des gens dedans. Allez, allons, enfants de la patrie. Le jour d'après est arrivé. Contre nous de la Macronie, tous unis on est révoltés, tous unis on est révoltés. Entendez-vous dans toute la France gronder nos multiples colères quand ce pouvoir autoritaire nous inflige toutes ces arrogances. Aux frères citoyens, stoppez les agressions, luttons, que le futur, nous l'approprions. Citoyens de toutes les sens, nous sommes les premiers de corvée. Et c'est nous qui faisons la France, plus que les premiers de cordée, plus que les premiers de cordée. Voici venir l'heure des comptes du gouvernement mensonger, notre hôpital démantelé, nos services publics que l'on démonte. Aux armes, citoyens, stoppez les agressions, luttons, que le futur, nous l'approprions. 1789, c'est la Bastille qui est tombée, c'était l'espérance d'un monde neuf, qui depuis nous a été enlevé, qui depuis nous a été enlevé. L'aube d'une nouvelle révolution rugit en nos cœurs révoltés. Tous vos mensonges dévoilés mettent fin à toute exploitation. Aux armes, citoyens, stoppez les agressions. Luttons, que le futur, nous l'approprions. Ouais. Maintenant, on va déposer une pancarte illustrée à notre lutte devant le tribunal de justice. Alors, je sais pas comment, hein, on va voir. Oh, on va bien trouver. Parfait. Voilà. Non, ou une ficelle. Ça, on t'accroche derrière dessous. Si. C'est bon. Nickel. Non, mais je fais comme il faut, moi. Hein? Non, là-haut plutôt. Ah, surtout là-haut. Ah merde, ça. Ah, oh, ce que je fais. Révolution à 50, ça va être dur. Oui, mais c'est les 50 meilleurs. Même pas 50. Tu es optimiste. C'est tout moraux qui nous impose le masque, c'est nous. Réagissez après, mon Dieu.
Normalement, on devra porter le masque à l'extérieur comme à l'intérieur dans les commerces et les lieux confinés. Donc voilà, ça a été décidé par le préfet et accepté par notre nouvelle maire. Donc voilà, vous vous préparez à avoir un budget masque assez important. Parce que quand vous restez enfermé chez vous finalement, hein, parce que à part aller travailler, vous rentrez chez vous après. Voilà. Donc, oui, vas-y. Ça. Oui. Entendez ? Oui. Il faut savoir que les différents magasins qui vendent des masques, les Hyper et compagnie, ont déjà fait 300 millions de bénéfices avec l'achat des masques. Ils ont réussi à nous faire acheter nous-mêmes les masques de leur incompétence. Oui, oui. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'actuellement, les malades, les gens testés positifs sont asymptomatiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de malade Covid en réanimation. Voilà. Oui. N'ayez pas peur. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de grands professeurs et nombreux qui plus est, qui disent que le masque en extérieur ne sert absolument à rien dès lors qu'il y a suffisamment d'espace entre les personnes. C'est donc une mesure destinée uniquement à renflouer ceux qui ont fabriqué des masques et à protéger au maximum l'État. Ouais, t'as fait. La rue. Qui plus est, relatif au masque à l'école. Non, pas là, pas là. Pas sur la porte. Mais là à côté ou. Là, là. Aux voilà. Enfants, parce que c'est quand même la montagne. Ils ne pas quand ils arrivent. Ou alors là, ils vont tellement coller là, mais sans que ça soit. Ouais. Ou alors tu colles juste là, si ça tient, mais pas qu'on voit tout. Qu'on ne reproche pas de. Tu n'as pas d'amende encore qui pleut, voilà. Scotch plutôt là. Le scotch. Parce que moi, je ne peux jamais tirer vite avec lui aussi, pour se faire tromper. Je vais mettre des gens dedans. Non, c'est pas moi. Non, j'ai pas. Vive les mariés ! Vive les mariés ! Ça dure longtemps. Ça y est ? On peut partir. Assez de sociétés qui engendrent le chômage et la précarité. On a assez de sociétés qui engendrent le chômage et la précarité. On a assez de sociétés qui engendrent le chômage. Et la précarité, y'en a assez de sociétés qui engendrent le chômage. Thank you.
démission, Mathurin, démission, Mathurin, démission, Mathurin, démission, Mathurin, démission, Mathurin. On comble un peu le rue de la Romère. Liberté, démission, démission. Il agit tout le temps, et qui plus est, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réunir chez eux, sans masque, et donc ça va être deux fois plus dangereux. Passez, gardez, passez, masquez, vous ne nous empêchez pas de manifester. Passez, gardez. On est épuisé. On est peu nombreux. Attention, allez. Oh. Nous sommes repoussés, repoussés. Thank you.
Liberté, c'est pour qu'à travers ma voix, on puisse
d'antan. Sur le mur de ma destinée, je lis ton nom. L'eau de la fontaine qui coule transporte ton nom. Du haut de son piédestal, une statue murmure ton nom. Dans le chant de la cigale, il y a ton nom. Pour l'amour et ses mystères, tout autour de l'univers, si les hommes se font la guerre, c'est pour ton nom. Ma liberté, si j'ai consacré ma vie à te défendre. Là, c'est beau. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De qué cantar que vamos a triunfar. Vamos allá, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás. Comme décision, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de militante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La paz está formando unidad. Y no se mobilizará, desechará el mineral, al bosque osmar, unidos en la lucha, trabajo irá, la patria cubrirá, su paso ya anuncia el porvenir, y que cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Deseos son, adiós de batallón, sus manos van.
les bandolas, ou si y a la raison, nos frères, bon fuego, bon valor, y esta aquí, contre le trabajador. Y ahora, el pueblo, que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando el arte. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. Le peuple uni sera toujours vainqueur. Et le pistolet au sautoir, sans pain, sans travail et sans âme, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres pleuvent les curés. Oui, mais ça me donne. Donc toujours ruiné. Jusque vagant, les gens de guerre, qui agrandit le haut du pavé. Jusque vagant, la sainte Vigue, nous fera-t-elle la ville détail? À quand enfin la République de la justice et son travail? Oui, mais ça va le dans le manche, les mauvais jours finiront. Égale à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Ah, car on dit que des chameaux de Marseille. J'ai dit merde, celui-là ça m'avait échappé. Hein. Du temps où à Montmartre, à Paris, il y avait encore des révolutionnaires. Pas mal, hein, hein, ouais. Je vais l'encadrer, chez moi. Aristide Brouillard. Par contre, il y a Brigitte là.
Brigitte Bourgeois, Brigitte Macron. Non, mais ça, c'était du temps où il y avait de la réclame et des bons produits, pas de la merde. Eh ouais, voilà. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est... des gilets jaunes. Le sieur Macron avait promis, le sieur Macron avait promis de faire les poches des gannes petits, de faire les poches des gannes petits. Mais il a rencontré des gilets barbouillés. Toute la France rigolait, vive le jaune, vive le jaune. Toute la France rigolait, vive le jaune des gilets. Flashball, grenade, arme de guerre, flashball, grenade, arme de guerre. Pour sauver l'or des milliardaires, pour sauver l'or des milliardaires. Macron a dit tirer, le monde blessé. France
n'oubliera jamais, vive le jaune, vive le jaune. France n'oubliera jamais, vive le jaune des gilets. Finance banquier spéculateur, finance banquier spéculateur. Macron et CAC 40 voleurs, Macron et CAC 40 voleurs. La rue va traverser pour quitter l'Élysée. La France libérée, vive le jaune, vive le jaune. La France pavoisée, vive le jaune des gilets. Thank you.
Merci. Thank you.
vendredi soir. D'accord. Depuis nous a été enlevés, l'ordre nouvelle.
dévoiler, met enfin à toutes les aiguillations. Aux armes citoyens, stoppez nos agressions, luttons, luttons, que le futur. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano. Non obbligatoire. Ah, ça va, là. Ciao, bella, ciao, 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 si ferire la sua montagna sotto l'ombra d'un bel dei partigiano, muore dove la libertà. Yeah, ole! Acqua! T'es pas parti? Mais si on répond, on va dernière précaution. Oh, 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 pas d'agression! Oh, oh, oh! Appelle la police! Alors, e tu vedrás cantando junto a me e assim verás tu mundo com poder la luz do nuovo amanecer a nous já já la vida que vendré de pie no que luchar el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y a un clamor mil voces de combate se alzarán canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está con la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el Sahara al detenido mineral, al bosque austral, unidos en lucha y trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero, sus manos van, llevando la justicia, con mujer, con fuego, con valor, ya estás aquí, junto al trabajo, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido
ramassera Benzino. Le peuple uni sera toujours vainqueur. Liberté, égalité, fraternité.
bon sang.